Bah bonjour tout le monde, c'est Tout C Gaming, et puis on se rejoint sur Pokémon Magikarp Jump. Donc, année. Moi j'ai pas à vous dire ça, bande de bâtards. Moi je suis né en 1800. Le mois c'est. Ah, oh, je suis un gros bâtard, j'ai dit n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Je suis né dans le deuxième mois de 1800. Ils m'ont cru. Je les ai fait accroire vraiment que je suis né en 1800, quoi. Bienvenue dans le monde de Magikarp Jump. Je suis le maire de. Petite ville appelée Bourg Carpe. Tout le monde ici adore les Magikarp. Dès qu'on a un endroit de libre, on y élève un Magikarp. Tu te demandes ce que ça fait? Un Magikarp, ça gigote, ça sautille, ça remue. Certains s'appellent ça faire trempette. Soyons honnêtes, en combat, il est tout pourri. Il n'y a pas plus faible que lui. Il ne devait rien d'autre que sautiller, mais bon, ça a coûté un tachat. Bref, Magikarp est notre Pokémon favori. Dans cette région, on s'intéresse beaucoup à la puissance de saut de Magikarp. Du coup, on en a créé 8 ligues, mais ça fait des lustres qu'aucun habitant de Bourgcarpe n'est devenu maître. Je sens que nos Magikarp sont tous démotivés. C'est à peine si le gigot encore est remu, le cœur n'y a plus. Ça ne peut plus durer comme ça, du coup. J'ai invité un pro de l'entraînement Pokémon au village, toi. Je te confie la tâche d'entraîner un Magikarp capable de battre les ligues. Je te fais confiance pour que les Magikarp du village retrouvent leur vivacité. Tu as compris? Entraîne le Super Magikarp, bat les 8 ligues et hop! Facile? Non, bon, commence par me montrer ton Magikarp. Comme ça, tu n'as pas de Magikarp. Mais ça ne va pas du tout, vraiment. Il faut tout faire ici, viens. Ok, donc du coup j'imagine qu'on va aller capturer un Magikarp. Regarde, voici trois cannes à pêche. C'est l'outil indispensable pour pêcher un Magikarp. Dans ma jeunesse, j'en ai pêché et élevé des tonnes, tu sais. Maintenant, je prends mon temps, je les élève à mon rythme. Je vais te donner un des miens. Laisse-moi choisir une canne, celle-là. Un Magikarp. Ok. Donc on a notre Magikarp. Je te choisis. Bon, tu peux commencer ta carrière d'éleveur. Écoute-moi bien, je vais t'apprendre comment élever un Magikarp. Touche les B à l'écran pour que ton Magikarp les mange. Voilà. T'as vu la puissance du saut a augmenté. Fais-lui donc manger le reste. Un Magikarp peut augmenter ses PS d'un coup en s'entraînant sérieusement. C'est l'heure de s'entraîner. Ok, voilà, on va aller s'entraîner. C'est parti. L'entraînement du jour sera. Ok. Compte saut. Faudra le faire sauter, je crois, ou un truc comme ça. Bondis, Magikarp! Magikarp gagne des PS grâce à l'entraînement. Ouh, c'est bien comme jeu. Dans le fond, il faut faire évoluer notre Magikarp. Quand on a essayé de défier une ligue. Est-ce qu'on peut changer son nom?
Ligue. Ok, on va aller dans Ligue. En route. Voilà. Regardez, il faut sauter plus haut que tous ses rivaux. Par exemple, l'autre Magikarp, il est beaucoup plus gros que moi. Saute, Magikarp. Du nord. Ils bondissent. Oh, oh yes, j'ai sauté encore plus haut. Yes, j'ai gagné. Oui. Oui. Yeah, on a gagné. Donc, on a fait notre première victoire. Ok. Quoi que tu... Si tu continues comme ça, toutes les ligues tomberont en rien de temps. Ah ah ah, je m'emporte. Commençons par celui du temps, la ligue copain et la ligue rapide. Je te rappelle pourquoi tu es là, deviens maître ou rentrer chez toi. L'aventure de toute une vie ou presque va enfin commencer. Direction le monde du rêve, de l'amitié, de l'amour et de Magikarp Jump. Voilà, ça c'est Magikarp Jump. Ok, donc en résumé, il faut juste manger pour qu'il grossisse et réussir à sauter plus haut. Donc on va le faire beaucoup manger. On va juste changer son nom. On va l'appeler Tout Petit Gaming. Tout Petit Carp. Tout Petit Carp. On va aller faire une ligue. Ouh, il est 10 fois plus gros que moi. Peut-être que je vais gagner, on sait jamais. Saute, tout petit carp. Saute, tout petit carp. Ouh. On a sauté à peu près égal, je crois. Ils sont déjà retombés, mais qui a gagné? Oh, j'ai perdu. Dommage. Donc, bah, ça va être déjà tout pour cette petite vidéo que j'ai bien aimé faire sur Magikarp Jump. Donc, bah, on se quitte là-dessus. Donc, si j'ai fait cette vidéo, bah, c'est parce que ça me tentait tout simplement d'essayer le jeu. Et ça me tentait aussi de le faire pour 4Math23. Qui est fan des jeux de Pokémon. Donc, 4Math23, fais-toi plaisir avec cette vidéo. N'hésite pas à la commenter et à te liker. Donc, bah, ciao, ciao! Ah oui, j'ai oublié! Aussi, abonnez-vous au max! Ciao!